Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sur Bono. En dessous de cette vidéo, surtout, abonnez, cliquez sur abonner pour activer la cloche, ne pas manquer de nos prochaines vidéos. En dessous de cette vidéo se trouvent toutes les informations également dont il vous faut pour faire des dons pour soutenir Nyan Sur Bono. Ce sont des dons que je donne de vous-même, ça dépendra de vous. C'est pour soutenir tout simplement le travail que nous faisons. C'est gratuit. Aujourd'hui, ce dont nous allons vous parler est très grave. C'est vraiment d'une gravité extrême. Mais il faut quand même que quelqu'un vous en parle. Mes frères et sœurs, dans la vie là, ou sur la terre où nous sommes là, il y a des choses vraiment trop compliquées qui se passent. Et les choses compliquées dont nous vous parlons là, ce sont des choses même qui ne sont même pas cachées, qui sont même auprès de nous, qui sont simples, hein, mais qui ont un impact sur nous. Mes frères et sœurs, nous allons prendre un seul élément seulement qui est mauvais. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu demande de ne pas convoiter, de ne pas regarder les femmes et puis la convoiter? C'est-à-dire, tu marches dans la rue comme ça, là. Et puis, tu vois une femme, tu regardes ses fesses. Il y a des gens qui font ça ici. Dieu dit de ne pas faire ça, là. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est des conséquences graves dans la vie de l'homme. Mais l'homme ne sait pas ça. Vous savez pourquoi? Je vous le dis. En fait, quand vous vous mettez à regarder quelqu'un et dit franchement, cela me plaît, ou bien regarder ses fesses comme on vient de faire là. Quand vous allez aller dormir là, les démons qui ont vu cette action là, ils vont venir vous visiter. D'abord, numéro 1, ce que vous avez vu, ce que vous avez fait dans la journée là, ça va prendre forme dans votre esprit, ça va prendre forme en vous. Vous allez tout retrouver ça en songe dans votre sommeil. Ne soyez pas étonné que vous retrouvez des choses que vous avez vues dans la journée en vos songes. Ne soyez pas étonné. Ne soyez surtout pas étonné. Hein. C'est ça même. Ça veut dire que ce que vous faites dans la journée là, c'est ce qui se manifeste chez vous la nuit. Et les démons, machin un peu, les démons prennent forme. Ils se basent sur ça pour vous combattre. Et ne soyez pas étonné que vous ayez des rapports sexuels même dans vos sommeils. Vous avez des rapports sexuels, vous voyez toutes ces choses. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose de grave qui se passe et nous devons vous en parler. Ça veut dire également que ce comportement que les gens ont dans la manière de s'habiller de façon sexy, là, c'est comme si on pouvait dire clairement que c'est le diable qui est en train d'utiliser les gens pour pouvoir permettre à d'autres personnes de les convoiter ou encore de les regarder. Une fois qu'ils les auront regardés, observés, le diable maintenant pourra venir les visiter la nuit dans leur sommeil pour leur compliquer la vie. Est-ce que vous comprenez? On vit dans une société où on peut voir toutes ces choses-là partout. Ah, mais comment nous allons faire? Voici l'histoire à l'appui. Voici un homme. Le matin, il a jeté un coup d'œil sur, avant de s'endormir, il a jeté un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Et il est tombé sur quelque chose de grave. Vous savez que souvent là, il y a des miniatures vraiment trop graves, des miniatures bizarres. C'est-à-dire que tu vas regarder la vidéo là, et la photo même qui est sur la vidéo qui t'accueille là même. C'est une photo vraiment étrange où tu vois déjà même une femme qui est un peu diminuée. Ah! Et cet homme là, il allait carrément, il a ouvert une vidéo, il a tombé sur une vidéo. Quand il a ouvert la vidéo là, net, il a regardé là. Il voit une femme qui est quasiment nue. Tellement ça l'a choqué là. Il a fermé la page à net. Mais ça ne veut pas dire que de la manière qu'il a fermé la page là, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu. C'est qu'il a vu là. Mais quand vous savez ce qui va se passer, ça va le retrouver la nuit quand il sera en train de dormir. Quand il s'est rentré dormir là, voici qu'il se retrouve couché parmi des filles. Il se retrouve couché là-bas. Ah! Tu es couché parmi des filles. Si ce sont des filles qui sont habillées, je vois Dieu merci. Et les filles là sont nues. Il est couché parmi les filles là. Et les filles là, mes frères et sœurs, les filles là sont nues comme ça. Hey! Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais pourquoi les filles là sont-elles nues? Pourquoi sont-elles nues? Mes frères et sœurs, quand il a vu ces choses, il était là du coup, dans le songe, hein, il s'est levé. Quand il s'est levé net, il a vu que lui-même là, il était nu. Quand il est sorti, c'est là, il s'est vu lui-même nu. Hein? C'est quoi ça? Lui-même il est étonné, il se regarde, il dit mais qu'est-ce que c'est? Et il était arrivé, il était dehors en érection. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Et maintenant, il s'est mis tout à coup à éjaculer. Dans le songe, hein. Et physiquement, ça s'est passé aussi physiquement. Et il se réveille, son pantalon est mouillé. Hein? Mais je n'ai même pas couché avec la fille. On dit que dans le songe, quand tu couches avec une fille dans le songe, là, c'est là, ça peut arriver. Mais il n'a pas couché avec la fille. Il a simplement vu sa nudité dans son songe là seulement. Là. Et l'impact que ça a eu. Ah! Ça veut dire que voir la nudité de quelqu'un là, c'est dangereux, c'est mauvais, c'est très mauvais. Et ça, c'est un bref aperçu des conséquences qui se trouvent dans ça. C'est un très, 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 très bref aperçu du danger qui se trouve dans ça. Posez-vous des questions. Pourquoi le diable veut que les gens soient sexy? Pourquoi le diable veut que les gens soient mal habillés? Et pourquoi souvent on voit des clips où on voit des personnes qui convoitent la femme? C'est-à-dire, dans le clip, là, tu vois le jeune, hein, il voit une fille et il la regarde et puis ouh, elle est belle, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela. Et déjà, elle commence à créer des trucs dans son esprit. Parce que c'est là, c'est parce que le diable sait que c'est mauvais de convoiter une fille. Et toi, tu convoites tout le monde, toutes les filles que tu vas voir là. Tu vas les aimer. Tu vas les attaquer, tu aimes toutes les filles. Tu vas sur la table là, il y a deux filles qui sont là comme ça, ou même trois filles. Toi, tu aimes les trois filles en même temps. Pourquoi? On ne sait même pas ce qui ne va pas avec nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Mais pourquoi l'homme aujourd'hui s'attache à tout ce qui est mauvais? C'est parce que le diable travaille. Le diable travaille. Et quand nous sommes dans le monde, nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, on ne sait pas ces choses-là. On pense que c'est normal, parce que tout le monde fait, on pense que c'est normal, alors que c'est dangereux. Aujourd'hui, là, le diable se cache dans le monde pour pouvoir piéger les gens. C'est-à-dire, si le diable vous cherche, là, il va créer autour de vous un monde. C'est-à-dire, ce monde-là va faire des trucs qui ne sont pas bien. Mais comme c'est tout le monde qui le fait, vous allez penser que c'est normal. Ah! Regardez les conséquences, ce qui est arrivé dans le songe, là. Qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah mais c'est grave, hein? C'est grave. Ah, franchement, quand il s'est levé le matin, il était dépassé. Il était étonné. Il a prié, il a dit, Seigneur, aide-moi seulement. Aide-moi, mon Dieu. Sauve-moi. Ah, qu'en pensez-vous? Regardez seulement une fille. C'est sur Internet. Genre les filles qui s'habillent et puis elles sont seulement en slip sur internet comme si elles sont à la plage. Là. Ça, c'est moi, il a vu là. C'était dangereux pour lui. Ah! Mes frères et sœurs, dites-nous ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir. À cet Jésus-Christ, abonnez-vous à tous ceux qui n'ont pas encore fait, activez la cloche. Et merci à tous ceux qui ont fait contribuer, qui ont fait les dons. Que Dieu vous bénisse. Surtout, soyez très vigilants dans la vie. Et faites attention à tout ce que vous voyez. Faites également attention à tout ce que vous entendez. Faites également attention à tout ce que vous dites. Car toutes ces choses sont très importantes. Très, 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 très importantes. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Le diable utilise des choses pour nous combattre. N'importe quoi. Même des choses même qu'on ignore souvent. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous le saviez? Moi, mais je ne le savais pas. Il a fallu que ce jeune-là nous raconte son histoire afin que nous puissions comprendre aussi que c'est dangereux de regarder des femmes même à la plage comme ça. Ah! Abonnez-vous, préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts.